Nous sommes le 1er décembre, Jackie. Ça veut dire que c'est les Vlogmas. Et coucou, nous sommes bien le 1er décembre. Je vais essayer de tenir le rythme de Vlogmas avec tout ce qui va arriver. C'est vrai que je vous ai dit qu'il y avait pas mal de choses qui arrivaient pour moi en décembre. Je commence ce vlog assez tardivement. Première raison, calendrier de l'Avent pour ma maman, j'aurais dû lui donner hier le 30. C'était pas fini, donc je l'ai booké ce matin. Et toujours ce problème avec ma caméra. Donc j'ai mis, je sais pas combien, franchement, 1h30, 2h à regarder des vidéos, des tutos, des machins. Ça faisait une focale très bizarre. Je pense que c'est pas mal. Je commence ce vlog en vous présentant quelque chose que j'ai reçu il y a 2 jours, que j'ai pour le coup senti. Il s'agit de parfum, mais attention, c'est pas n'importe quel parfum. Là, on est sur du sacré level. La marque, c'est Bon Parfumeur Paris. Ce sont des parfums qui sont clean, qui sont vegan, qui sont cruelty free. C'est une production qui est 100% made in France. Et ce qui est intéressant, ils m'ont montré sur le dossier de presse, tu vois la carte de France et tu vois un petit peu, c'est en Normandie, à Cognac, dans toute la France, entre ce qui est l'étiquetage, la distribution, le flaconnage, je sais pas si ça dit, enfin les flacons, avec, bah voyez, un circuit court du coup, toute la France. Ce sont des parfums qui sont numérotés. Et ça, rien que ça, je trouve ça hyper élégant. En fait, on a du 001 jusqu'au 902. Et en fonction de ce qui est marqué de la fragrance et des mélanges, j'ai choisi comme ça. Et moi j'ai choisi dans la gamme privée, ce qui signifie que ce sont des matières premières rares. Et intense, pour l'intense, je confirme en fait le parfum là. Je l'ai testé, j'ai fait alors qu'il aurait fallu que je fasse à la limite. Ça sent, alors c'est déjà, c'est unisex, hein. Armagnac, tabac blond et cannelle, je sais pas, l'association, ça m'a donné envie. C'est chic, voilà. Ça pourrait être même une ambiance dans ta maison, voyez. Je vous montre. Ah bah non. Ma maman arrive. Ah, ça vient chercher son calendrier. Hein. Je vais vous reprendre. Bon, j'ai 10 secondes avant qu'elle sorte de sa voiture pour vous montrer voilà ce que ça donne. Donc il y a les 24 petits cadeaux. Franchement, je pense que ça va lui plaire. Oh là 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 là. Moi, je vais prendre ça en photo. Moi. Oh là là. Bon, bah, je crois que j'ai fait une heureuse. Hein. On retourne. Alors, j'en étais à la présentation, tout simplement. Ah non, mais je vous montre juste les échantillons, voilà, c'est comme ça, et toujours avec les petits numéros. Rien que ça, je trouve que c'est tellement chic. Donc, on enlève ceci, coffré comme ça, sur une étagère. Oh, ça rend vraiment bien. Évidemment, code promo, j'allais oublier, si jamais ça vous intéresse. Je vous le mets ici et puis en description, ainsi que leur site. Par contre, oh, il y en a partout, il y en a partout. Vu que je vous ai dit, j'ai fait ça hier soir, tardivement et ce matin, j'ai pas eu le temps de ranger. Je suis dégoûtée, j'ai fait une connerie ce matin. Ce matin, j'ai voulu ouvrir cette partie que je n'ouvre jamais. Et en fait, l'oreille a complètement déraillé. Ce qui fait que tout est bloqué et je suis deg parce que là, on voit que ça. Pourquoi j'ai touché à ça? Je cherchais un truc précisément. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé, forcément. Mais voilà, donc ça, c'est resté ouvert. Ça, c'est comme ça. C'est génial. Et quand je vais dire c'est Eric, il va me dire « Ah, pourquoi t'as touché ?» Je me tâte. Est-ce que je sors? Je sais pas, j'ai rien de particulier à part juste prendre l'air et marcher, mais prendre l'air avec un masque, déjà ça me saoule, donc je vois pas trop l'intérêt. Demain matin on fait sport, ouais non, je reste là, tant pis, je reste là, c'est pas grave. J'avais autre chose à vous dire, ah oui, bah j'ai eu encore des nouvelles concernant le PCR, c'est bon, c'est officiel, j'ai l'heure, j'ai la date, PCR dans le nez, bon, ça sera fait. Et puis il y avait autre chose, non bah c'est tout, après on attend pour la rencontre avec la styliste, coiffeuse et tout ça. J'ai pas eu le temps, tu sais, je vous ai montré ça hier, j'avais eu chez Jiffy. On va regarder ensemble. Déjà, l'objet ressemble à ça, je vais mettre les piles. Bon, j'arrête, hein. Je viens de prendre un tournevis cruciforme, là. Je l'ai à moitié abîmé, il veut pas sortir, ça marche pas. Oh, ça a le don de m'agacer, ce truc. Bon, bah, tant pis, j'attendrai qu'il revienne, Eric. En gros, évidemment, je le mettrai pas là. Mais je trouvais sympa. T'as juste à mettre un petit clou. Il est déjà 17h, j'arrive pas à le boire, j'étais en train de bosser, c'est trop chaud, il y en a trop. Et je suis en train de me dire, en fait, on n'a plus de pain, on n'a plus de quoi pour le petit-déj, donc je vais y aller avant qu'Eric arrive. Ce sera très bien. Hop, je vais me faire ma petite attestation. Et ça change la vie, hein, stop Covid, là. T'as juste à mettre la raison, tu génères, en 2 secondes, c'est fait. Attends, je me prenais la tête avant. J'ai imprimé, j'ai écrit. Est-ce qu'on fait les décorations de Noël demain? Ben oui, on est le premier, Mosaki. Est-ce que tu vas aider ta mère demain? Moi, je pense que oui. Je suis tentée de dire que ça fait du bien de sortir, mais pas du tout. Avec le masque, finalement, le moment qui est plaisant, c'est quand tu vas faire le sport demain, par exemple. Là, ça va être cool. Je vais pas m'embêter d'aller dans une supérette ou quoi. Je vais juste aller à la boulangerie. Ça va être parfait. Je vais même lui prendre un petit goûter.
Nickel. C'est bon. Je suis saoulée en fait. Je suis saoulée. Alors je sais que c'est les vlogmas, tout ça, mais alors non. J'ai pris du pain, j'ai pris deux gâteaux. J'en ai pris qu'un parce que j'en voulais pas, mais il n'y avait pas assez. Il faut 5 euros minimum. Bref. Masque, lunettes. Franchement, moi, ça marche pas. Ça marchait avant, mais je sais pourquoi. C'est bon, je viens de trouver. C'est les contrastes avec le. Il fait très froid, il fait chaud dans les trucs. Résultat, mais je vois rien. En fait, je vois que dalle. J'ai beau faire le pincement, le machin, le truc, tu mets l'air. Ça marche pas. Résultat, ma tarte est tombée dans la rue. Donc, bon, elle est emballée, mais elle est tombée. Et le gars, il. Il y a un gars qui est arrivé et il a fait de l'écraser. Je lui dis, oh là là. Il l'a pas vu, quoi. Bon, il a pas marché dessus, elle est là. Voilà. Ah, bah tiens. Remarque, et timing parfait. Vous l'entendez? Je viens de rentrer à l'instant. Ouais. Bah oui, parce que je me suis dit qu'on n'avait pas de pain pour demain. On n'avait pas de pain pour demain, mais effectivement, on ne pas. Bah oui, et je t'ai pris un goûter. Mais tu vas. Alors là, on commence à parler de. Là, on est bon, là. Là, je commence à. Là, je te comprends, mais il y a 2 secondes 7, j'étais énervée. Hein. Oh. Mais alors, comme jamais, hein. Mais je me sens, mais qu'est-ce que tu me dis? Et alors, ça a été ta journée? Bon, très très bien. Mais enfin, ta journée, t'as... J'adore ça, moi, tu sais, ma passion. Bref. J'aime tellement ça. Tiens, j'ai un accent québécois. Non, ouais, canadien, c'est vrai, tu fais bien. Mais... bien. J'aime tellement ça. Moi non. J'aime tellement ça, ouais, quand je rentre, laisse-moi. Donc là, ça on... demande en commentaire aux gens quelle imitation ils aimeraient que je fasse, parce que je suis très très bonne imitation. Oh. Thierry Lhermitte. C'est cela, oui, Thérèse. Belmondo. Et hop, tac, j'arrive, la boum. J'ai le palais. T'as une patate quand tu rentres du boulot. Bon, bref, c'est l'heure de goûter. J'ai pas faim. Oh, mais tu perds toujours tes chaussons. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherchais ma caisse à outils. Ah. Pas rangé. Un petit peu comme si elle me laissait le message. En effet, j'ai fouillé dans ta caisse à outils, mais ça aussi je suis énervée. Le truc il marche pas, j'ai acheté un truc tout bidon, j'arrive pas à enlever les. J'ai Alors, pris un curucif. Répète la phrase. Pourquoi? Tu as acheté un truc. Tout bidon. Voilà. C'est un pléonasme. Et qu'est-ce que je t'ai pris à ton avis pour le goûter? Devine. Alors c'est un. Quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est quelque chose que j'aime. Ça fait partie de ton top 3. Je dirais que ça fait partie oh de ton top 3. Oh non, tu me prends les infos. C'est un flan. Regarde, il est beau ton flan. Vous savez pourquoi il rigole? Parce qu'il a dit moi j'aime ce qui est nature en me regardant. Mais je suis naturelle, hein. J'ai pas fait mon. J'ai rien fait. J'ai pas fait de chirurgie. J'ai plus d'extension. Bon, je mets du make-up, mais comme beaucoup de gens, c'est tout. À la fois. C'est-à-dire que toi, tu mets autant de make-up que beaucoup de gens à la fois. Tu trouves que j'en mets beaucoup trop? T'es magnifique. Bon, vas-y. Il est trop fort. Ah, c'est cool. Bon, maintenant, reste à savoir où je vais la positionner. J'ai la petite idée. Est-ce que... ici... Oh, je recule, petite ambiance. Ah, mais là, vous allez pas voir, ça éblouit. Je crois que j'ai une idée. La fille qui s'arrête jamais ici. C'est joli, non? Ah, j'aime bien. Genre, ça donnerait un truc comme ça. Oh, mais c'est que j'en ai là. Vous l'aurez compris, cette petite applique me tortillonne. Je vais aller faire manger déjà. J'ai tout ce qu'il faut. Après, le truc, c'est de savoir quoi. Voilà, c'est tout. Alors, ce soir, menu petite tarte Saint-Jacques poireau avec de la mâche. Ça va être très, très bien. Programme de demain, je dois aller à l'hôpital. C'est génial. Demain matin, sport, ça, c'est bien. C'est bien. Et on verra en fonction, mais je voudrais faire les décos de Noël, sapin et compagnie. Enfin, je pense que demain c'est pas mal, le 2 décembre c'est bien. Voilà pour le programme, vous l'aurez compris, je vais me mettre au fourneau et je vais arrêter maintenant ce premier vlogmas. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et vous remercie d'être là toujours. Allez, je vous embrasse fort, salut.